Merci beaucoup de vous présenter ici ce matin pour ce point de presse qui va surtout mettre en relief notre combat principal, le combat de championnat du monde de deux ceintures dans la division des mi-mouches. Evelyne Bermudez, qui est championne IBF et WBO, qui défend sa couronne, ses couronnes, contre son aspirante obligatoire, Kim Clavel. Je suis extrêmement heureux d'avoir ici Ulysse, qui est notre traducteur. Evelyne, welcome Evelyne with us here. Son promoteur, Georgina Rivero. Bienvenue ici, welcome here, Georgina. On a Daniel, l'entraîneur de Kim, et Kim. On va surtout se concentrer aujourd'hui sur Evelyne et sur Kim, sur ce qu'elles pensent du combat, sur leurs attentes, sur leur perception du combat, peut-être de la boxe féminine. Toutes les questions que vous aurez. Donc, c'est samedi à compter de 19h à la Place Belle de Laval. On va avoir 8 combats, 2 combats amateurs, 6 combats professionnels. On s'attend à ce que le combat principal démarre autour de 22h. C'est ce qu'on m'a donné comme information sur les gens de la télé. Le combat va être présenté dans une quinzaine de pays à travers le monde, en plus évidemment du Canada et des États-Unis et de l'Argentine. Vous connaissez bien Kim Clavel, donc l'aspirante qui va livrer son 3e combat de championnat du monde, son 3e combat cette année. Kim, qui a été championne WBC en prenant la mesure à Yesenia Gomez l'an dernier, elle a perdu une décision qui, à notre avis, était super serrée, où elle aurait peut-être pu avoir un meilleur sort dans une unification contre Plata. Elle est redevenue l'aspirante numéro 1 suite à sa victoire contre Naomi Reyes, où elle a remporté, c'est vrai, son haut et ceinture, Kim, le titre WBO international et IBF intercontinental. Ce combat était extrêmement important pour ramener Kim en position pour pouvoir bien négocier. Ça n'a pas été compliqué, je vous dirais. We have received a very close collaboration from Georgina, from her group, on everything. It was not a very complicated negotiation. They wanted to have the fight. They realized, they said that it was Evelyn's mandatory. They knew they had to fight her. And anyway, this is how Evelyne Bermudez has been raised since the beginning of her career. She always fought the best opponent available. So to talk a little bit about Evelyne, I would like to introduce you to Georgina Rivero. Georgina, if you can introduce Evelyne and tell us a little bit about her background. Okay. Bueno, si me permitís, Ivonne, primero quería agradecerte en persona a vos y a todo tu equipo. Je voulais vous remercier en personne à vous puis à toute votre équipe. Por tan cálida bienvenida y haber sido tan amable en todo el proceso de negociación. Impecable. Muchas gracias. Por todo el proceso de negociación que était impecable, puis pour la bienvenue, c'était vraiment chaleureuse. Un placer estar aquí en Canadá y participar de este gran evento. Un plaisir d'être ici au Canada puis participer dans cet événement. Bueno, con respecto a Evelyne, él me había preguntado de Evelyne, ¿verdad? Mm-hmm. Sí, con respecto a Evelyne Bermudez, bueno, Evelyne tiene 18 peleas, es campeona de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Internacional de Boxeo en peso mini mosca. Defendió su título de la IBF, creo que esta es la 9ª vez, Evelyne, ¿sí? Que lo defendés. Y van 2-3 veces de su defensa del título de la Organización Mundial de Boxeo. Y tiene mucho por delante. Así que se preparó muy bien para enfrentar a una excelente boxeadora como lo es Kim. I'm sorry. You told me to be short. Sorry. Okay. Donc, ce qu'elle a dit, c'est que
¿Cuántas peleas a, a? 9 defensas de la IBF y 3 defensas de la OMB. Ok. Alors, elle a fait 9 en total. En total. Oui, oui, c'est ça. 9 championnats du monde. Elle dit qu'elle s'est bien préparée. Elle est vraiment contente d'être ici. Que se preparó muy bien para esta pelea. Elle s'est bien préparée pour ce combat. Para enfrentar una gran boxeadora como lo es Kim Clavel. Pour confronter un grand boxeuse comme c'est Kim Clavel. Juste nous dire, nous parler un petit peu. Si elle peut nous parler un peu de sa préparation, où elle a fait sa préparation et comment elle entrevoit le combat. Et comment fue la préparation d'Evelyn? Bueno, la verdad que muy bien preparada para esta pelea. Feliz de estar acá en Canadá. Muchas gracias por recibirme. Entrenando, somos una familia de boxeo y siempre estamos entrenando todos juntos, así que estamos muy, muy bien preparada. Elle dit qu'elle elle a juste répondu qu'elle est bien préparée, puis elle est très, très, très contente d'être ici, puis c'est une famille de boxeurs, genre chez elle, avec sa sœur. Ouais, c'était sa sœur qui était comme son sparring. Est-ce qu'elle a déjà affronté des adversaires qui ressemblent un peu à Kim? Ya has affrontado adversarios que se parecen un poco a la carrera y a la talla de Kim? Sí, sí, siempre estoy preparada para pelear con, la, con las mejores y estoy muy bien preparada para, para enfrentarme a Kim. ¿Pero ya has afrontado a alguna de tus rivales? ¿Alguna de tus rivales? ¿A Kim en su boxeo? Sí, 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 he peleado con, con mucha boxeadora buena. Bueno, todo el que sube arriba del ring son buenos. Él ha dicho que sí, pero que todo el mundo que monte sobre el ring son todos buenos. C'est la troisième fois qu'elle boxe à l'extérieur de l'Argentine, je pense que c'est ça. Est-ce la troisième fois que tu peleas fuera d'Argentine? Sí, sí, es la tercera. C'est quoi la différence pour elle de la préparation à boxer ici comparée à l'Argentine? ¿Cuál tu piensas que es la diferencia de la preparación de boxear entre Argentina y ahora aquí en Canadá? No, no, yo creo que hay que prepararse bien para todas las peleas. Todo el que sube arriba del ring es bueno y en todas las peleas siempre no, nos preparamos al máximo. Elle dit qu'il faut toujours se bien préparer pour n'importe la place, que c'est, tout le monde est bon sous le ring. Okay. Comment ça va se terminer samedi? Comment va terminer esta pelea el sábado? Bueno, estamos muy, muy bien preparados, con muchas ganas de defender nuestro título acá en Canadá. Y bueno, arriba del ring se ven las cosas. Sous le ring, ils vont voir parce que chacun, ils vont défendre leur ceinture. Merci beaucoup. Muchas gracias. Daniel, parlons un petit peu de toi, comment tu vois le combat, comment tout s'est passé dans la préparation, puis qu'est-ce que tu penses d'Evelyn plus directement? Tu peux lui traduire tranquillement. Alors, comme vous savez, se préparer pour affronter Evelyn, ça prend une grosse préparation. C'est ce qu'on a fait, une préparation digne de ce nom pour amener Kim samedi soir au meilleur de ses capacités, au meilleur de ses performances. Evelyn est une excellente boxeuse, je l'ai déjà mentionné, unique, qui est grande, une longue portée, une bonne vitesse. Elle lance beaucoup, donc pour ce faire, il faut être prête. Prête à toute éventualité, toute diversité, toute nouveauté qui pourrait se produire samedi. Les scénarios ont été pratiqués, préparés. Maintenant, on est prête pour l'action. Comme Evelyn l'a dit également, ce sont deux championnes. Deux championnes. Quand on arrive à ce niveau-là, si vous saviez comment les petits, mini, micro-détails sont importants, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Donc, c'est ce qu'on a travaillé, ce qu'on a peaufiné. Et ce que je peux vous dire, c'est que the shark is sharp. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous savez que le requin, c'est quand même un mammifère qui est reconnu pour être un super prédateur. Donc, ça vous en dit un petit peu plus sur le combat de samedi. Aussi, je peux vous dire que celui-ci ne cligne jamais des yeux. Ses paupières ne se ferment jamais. Il n'a peur de rien. Alors, c'est un peu ce que je vois de Kim, sa détermination. Elle veut redevenir championne. J'y crois autant que j'y croyais lorsqu'elle est devenue championne du monde. Je peux vous garantir que ce sera un spectacle
de haute envergure et moi, je n'ai aucun doute que le prédateur gagnera. Kim, un mot tout d'abord, comment tu te sens? Puis après ça, je voudrais que tu compares un peu Evelyne à Gomez et à Plata pour nous dire comment tu vois la différence. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis contente d'être dans les studios d'énergie, c'est vraiment une belle place. Ce combat-là, pour moi, c'est le combat le plus important de ma vie, le plus important de ma carrière. Chaque combat est toujours le plus important parce que c'est ça qui construit la suite de ta vie, de ta carrière. J'ai vraiment la nette impression que ce combat-là peut changer mon avenir, peut changer ma vie. C'est 20 minutes de travail qui peuvent changer ma vie, vraiment. Réaliser mon rêve, devenir une championne unifiée, ça fait 17 ans que je boxe. Ça fait 17 ans que je prends des décisions pour la boxe. Ça fait 17 ans que je suis corps et âme. Je me rappelle quand j'avais 18-19 ans, j'avais même pas 20 $ pour mettre dans ma voiture pour aller m'entraîner à Montréal, puis je mentais à Daniel. Je disais à Dan, je travaille à soir, je peux pas mettre dans... Je disais pas, j'étais trop gênée, que j'avais pas d'argent pour mettre dans mon gaz, dans mon char, puis j'avais mis un pneu autour d'un arbre pour m'entraîner à la maison. C'est juste pour dire que ça vient de loin, que samedi, j'embarque sur le ring pour moi, pour personne d'autre, c'est pour moi. Je veux me prouver à moi-même que je peux redevenir championne du monde et je vais redevenir championne du monde. Evelyne, c'est une bonne boxeuse. C'est une grande championne. Elle a défendu son titre 9 fois avec succès. Je sais ce que ça prend pour battre une fille comme Bermudez. J'ai boxé contre des filles très, très bonnes. Gomez, une fille qui lance. J'ai boxé contre Aya et j'ai boxé contre Plata, qui est la meilleure au monde. Je suis capable d'affronter n'importe qui. Je fais des combats serrés avec n'importe qui. Je suis de niveau, ça je le sais. Mais battre une fille comme Bermudez, ça va prendre quelque chose de plus. Puis là, je l'ai. C'est mon discours dans ma tête, mon discours en ce moment dans mon corps, il est positif. Ça va bien, vraiment bien. J'ai des frissons rien qu'à vous en parler. Puis Bermudez, ce soir-là, elle ne repartira pas avec ses ceintures. Parce que ce soir-là, je vais être invincible. Les dents de la mer... Je vais être le requin de la mer. Puis je suis très, très confiante. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va y aller pour les entrevues individuelles. N'oubliez pas, on a un autre point de presse demain, mais ça va être virtuel, celui-là, qui va mettre... en vedette, surtout le combat de Sébastien Bouchard et Mazlou McDennis. On va avoir aussi la participation des boxeurs des autres combats. La pesée vendredi va avoir lieu à la cage de la Place Belle, à la même heure que d'habitude, de 10h à midi. À midi, sur la balance, ça va être Kim qui va se peser la première, comme aspirante. Et après, on aura les autres combats. Et donc, samedi, 19h, premier combat amateur. Et on va enfiler. On doit prendre une pause entre les deux combats amateurs et le premier combat professionnel. Mais ensuite, on va rouler jusqu'au bout. Le combat va être disponible à la télé, à la carte, sur gymbox.tv en streaming. Ou à la télé, on peut aller chercher à Canal Indigo, à Shaw TV, à Bell TV, ou on peut aussi aller chercher en streaming en anglais sur Fight.tv. Donc, il y a beaucoup de distributeurs, ça va être disponible pour tout le monde ici au Québec et un peu partout dans le monde. Face à face? OK. We're going to go face to face. S'il vous plaît. Monsieur.
monde à nouveau. La reconquête, c'est ce soir que ça commence. Evelyn Bermudez! Maslow! Obtenez! Sébastien! Bouchard! Marie-Pierre!